enfants! C'est le Père Noël! Ouais, non, en fait, c'est pas le Père Noël, hein, vous vous en doutez. Bonjour à tous, ici le Ch'ti Player, et on se retrouve, comme vous pouvez le voir, vidéo hors série consacrée pour la quatrième fois quand même, à cette vidéo de Noël. Alors, oui, j'ai fait une décoration vite fait, bien fait, avec une guirlande électrique, alors j'espère que ça pourri parera pas trop l'image parce que. Bon. On va dire que la webcam avec laquelle je suis obligé de filmer ça, comme d'habitude, elle est plutôt correcte, mais faut pas trop lui en demander. Voilà. Alors, donc. Ah oh putain, j'ai encore. C'est horrible. Ça, c'est vraiment énervant. Attendez, je fais juste un petit bricolage pour atténuer la lumière de l'écran. C'est horrible que quoi je vais toujours avoir l'écran dans les lunettes, putain. Les lunettes à vrai dos, si je pourrais m'en passer, ça serait mieux, je dirais. Mais malheureusement, il les faut bien pour voir quelque chose. En fait, en réalité, je vous ai jamais parlé de ce que j'ai avec de ce pourquoi j'ai une lunette. Hein. C'est ce qu'on appelle l'astigmate, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, quand je ne les ai pas, je vois les choses très floues, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, pour lire, c'est pas pratique du tout. Donc, attendez, j'ai aussi. Hop, rafficher ça pour avoir un pseudo timer, ça serait cool. Oui, donc je disais, donc nous sommes pour la quatrième fois dans notre vidéo spéciale Noël. Et oui, comme tous les ans, je ne vous oublie pas là-dessus. De toute façon, c'est une habitude que je me suis mis un point d'honneur à prendre. Ce sera tous les ans comme ça, hein. De toute façon, tant que je serai là, vous aurez votre vidéo à chaque Noël. Alors, bon, évidemment, vous vous tournez, que vous vous doutez que je tourne un peu en avance, enfin, un peu en avance, en fait, la veille. Donc, en fait, vous verrez ça au début du réveillon. Donc, normalement, je devrais avoir mis cette vidéo en ligne aux alentours de 18h. Comme ça, vous pourrez profiter un petit peu. Alors. Donc, juste vous expliquer un petit peu, parce que quand même, je suis là pour cette vidéo, mais j'ai été absent pendant un peu plus de 2 semaines. Donc, eh ben voilà. La première raison, c'est celle-là. Voilà. Non, en réalité, si je m'étais contenté de tousser, vous avez déjà, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, pu vous rendre compte que des fois, je tourne quand même, même si je tousse comme un malade pendant les enregistrements, c'est pas grave. Non, merci, putain. Ah putain, j'ai les lèvres desséchées en plus, j'aurais dû mettre du bazar chouette là. Là là. Ouais, en plus, j'ai même pas fait gaffe. C'est la version un peu décorée. Alors, c'est pas les décos de Noël, mais il est vieux ce bazar. Enfin, vieux, entre guillemets. Il doit dater de. Oh, il doit bien dater de 2 ans hein, quand même. Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas de date. Il y a juste un numéro à la con. Donc, enfin, c'est pas le sujet. Donc, grosso merdo, il y a donc 2 semaines, un peu plus de 2 semaines de ça, j'ai acheté mon petit combo SSD, SSD avec un disque dur mécanique plus gros, parce que je commençais à manquer quelque peu de place pour stocker mes vidéos. En même temps. Donc, en fait, si vous voulez, avant de recevoir les colis. Je me dis, bon, je vais tourner un épisode. J'avais tourné un cinquième épisode à Epescape 3, hein, qui aurait dû bien se passer. Le tournage s'était à peu près bien passé, même si j'avais fait quelques conneries en jouant, mais ça, c'est vous avez l'habitude, hein. Ça change pas d'habitude. En fait, le truc, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu merdouillé dans le branchement du Dazzle. Parce que oui, en fait, quand je joue à la PS2 pour moi, il arrive que j'enlève les deux fils de son qui vont au Dazzle pour mettre l'auxiliaire de Machinify à la place. Parce que en fait, les haut-parleurs de ma télé sont tellement tout pourris. C'est vraiment des haut-parleurs de merde. Vous mettez le son de la télé à la moitié, le truc il sature. Hein. Imaginez le son qui le haut-parleur de la télé qui sature. Tellement c'est de la merde. Et en fait, si vous voulez, au moment du tournage, j'avais toujours le son dans la télé. Et comme j'ai l'habitude de couper sur le PC pour pas l'avoir en double, enfin, le mettre en sourdine, je me suis pas rendu compte que j'avais pas rebranché le son. Donc, forcément, quand j'ai voulu faire le montage, la vidéo n'avait pas de son.
Bah oui, forcément, parce que le son de la console était sur la télé, mais il n'était pas rebalancé sur le Dazzle. Donc, je me suis fait niquer à cause de ça. Et comme le colis est arrivé, eh ben, j'ai fait donc les changements dans mon PC. Sauf que ces changements ont amené à une réinstallation de Windows. Ce qui forcément m'a posé quelques petits soucis pour vous faire quelques vidéos. Le pire, c'est que là, le PC, j'ai même pas fini de tout reparamétrer. Je me suis aperçu qu'il me manquait 2-3 softs. Je dois encore les rajouter. J'ai pas fait les personnalisations au niveau du thème et du jeu de son de Windows. Oui, parce que le jeu de son de Windows 7, notamment les sons de connexion déconnexion USB, je les change tellement ceux de base sont à chier. Autant j'aime bien Windows 7, mais les sons de connexion déconnexion USB sont vraiment tout pourris. Voilà. Donc j'avais réussi tant bien que mal à réinstaller les logiciels qu'il me fallait pour utiliser le Dazzle. Et la semaine dernière, je me suis apprêté à vous faire refaire l'épisode raté de Ape Escape 3. Sauf que je suis tombé malade. Et attention, ça a été fort. Hein. J'ai fait fièvre. J'ai fait une toux sèche. Mais quand je dis sèche, c'est très 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 sèche. C'est genre, fallait que je boive limite en permanence, quoi. Et encore, là, j'ai encore la bouteille d'eau qui est pas apportée parce je l'ai posée sur la PS2, mais c'est pas grave. Donc voilà, ajouté à ça, un début de grippe. Donc j'étais complètement faible. Je sais même pas comment j'ai fait pour aller bosser, quoi. Ouais, parce que je rappelle que pour aller bosser, c'est faut faire 50 km en voiture. Ouais. Et moi je te fais ça en ayant la fièvre, en me sentant faible. Bien sûr, je suis bien grand malade aussi dans mon genre. Franchement, le jeudi juste avant le début des vacances, là, le jeudi de la semaine dernière, je suis arrivé du matin pour aller travailler. Ça allait à peu près, à part que j'avais de la fièvre, quoi, donc j'avais chaud, mais truc de fou, quoi. Pendant tout l'après-midi, j'avais de plus en plus mal à la tête. Je suis arrivé chez moi du soir, il était dans les 19 h, c'était le marteau piqueur, j'avais ultra mal à la tête. Ah, c'était impossible, quoi. Alors après, de là, je suis parti acheter des effets ralgants. J'ai commencé à en prendre et on dirait que vendredi l'après-midi, ça commençait à se tasser. Et c'était pas vraiment ça. Et en plus, donc je disais, pour en revenir, j'étais donc à l'état fièvre, tout sèche, début de grippe. Et la gastro-entérite en plus! Ouais! Master Combo! Oh putain! J'ai beau avoir réglé ce casque à mime correctement, je vois sur Audacity que ça va quand même saturer. Il faudra encore que je vérifie les réglages. Alors, oui, pour la petite histoire, vous le voyez sur mes oreilles, c'est le nouveau casque, hein, le Logitech G430. D'ailleurs, le nouveau, enfin, LOL, le vieux est encore là, hein, sauf que l'ennui, c'est que comme j'ai attaché les câbles pour pas risquer de rouler, je manque de longueur. Il vient par là, jeter. Voilà. Voilà, donc le précédent est là, hein. Remballé dans sa boîte, hein. On sait jamais, ça peut servir. La la la, la la la, la 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 la. Bon, par contre, je vous montrerai pas la bonne. Quel est tout là-bas? Oh putain, comment j'ai parlé? Donc, du coup, dans l'histoire. Donc il y a eu mon état, on va dire, assez déplorable, hein, ne nous cachons pas, mon état de santé est un peu déplorable. Le fait donc qu'il fallait, en ayant que quelques heures par jour pour réinstaller les logiciels sur mon PC, faire les réglages. D'ailleurs, là j'ai encore le disque dur précédent à côté que j'ai connecté en externe, j'ai encore des fichiers à récupérer dessus, hein, j'ai encore des sauvegardes de certains jeux Steam qui n'ont pas le Steam Cloud là. Vous savez, le Steam Cloud qui permet d'avoir votre sauvegarde en ligne, de ce qui fait que quand vous réinstallez le jeu sur votre PC ou que vous l'installez sur un autre PC à vous, vous récupérez la sauvegarde. C'est le fameux Steam Cloud, sauf qu'il y a certains jeux qu'ils ne l'ont pas. Enfin,
L'ennui, c'est que pour certains jeux, c'est chiant. Je pense à Portal 2 qui l'a, le Steam Cloud, c'est-à-dire que là, j'ai réinstallé le jeu, j'ai d'ores et déjà la sauvegarde du mode. Enfin, du mode solo, c'est-à-dire du mode solo où j'en suis. Enfin, où j'en suis. Vous savez que le mode solo, je l'ai fini, hein, mais en mode solo, il y a aussi les challenges et tout le tralala, pour ceux qui connaissent pas. Mais par contre, ce qu'il a pas en Steam Cloud, c'est les salles de test personnalisées. Donc ils sont qu'on peut créer avec l'éditeur de salles qu'ils avaient rajouté. Ça, il faut que elles soient encore stockées sur le vieux disque dur. Il faut que je les réimporte sur le nouveau. Comme ça, j'aurai tout. Donc voilà. Bon, mais sinon, en dehors de ça, pas d'autre chose à dire, hein. Donc du coup, juste dire que tout ce qui s'est passé. Ah oui, c'est le PC de la PC de ma belle-sœur. J'avais oublié. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Parce que on va aller jusque là-bas le jour de Noël. Donc le réveillon, ce sera chez moi. Donc le jour de Noël, on va y aller. J'aimerais bien le rapporter. Comme ça, ce sera déjà ça de fait. Enfin, faut dire qu'il m'a posé aussi quelques problèmes. Hein. Je veux dire, en fait, j'avais à peu près fini, j'avais installé Windows et tout. Et puis là, il y a un des deux disques durs qui sont dedans qui m'a lâché. Putain. En fait, il fonctionne encore. Mais il y a des secteurs, enfin, il y a des secteurs corrompus. Donc, ça crée des erreurs système et tout le tralala. J'ai voulu utiliser un logiciel de réparation qui marche très bien, qui s'appelle HDD Regenerator, avec lequel j'avais déjà récupéré un disque dur comme ça. Mais celui qui a un problème là, il a tellement de secteurs endommagés que vous devinerez jamais combien de temps il a mis sur l'estimation du temps qu'il lui faut pour réparer. Ta 500 000 années. Je suis sérieux en plus. J'aurais dû prendre la photo pour vous dire. Il m'avait mis, je sais plus, mais 4 millions ou 4 milliards d'heures, je sais plus. Et ça fait 500 000 ans. Ouais! On sera tous morts d'ici là. D'ici là, l'humanité aura disparu. Bon. Enfin bref. J'ai quand même regardé quelque chose sur Audacity parce que ça me paraît bizarre. Non. Bon, je vais le baisser un petit peu à l'arrache, mais. Ça me plaît pas de changer le niveau pendant que ça enregistre. Donc, maintenant qu'on va arrêter un peu de parler tout ça, parce que ça fait presque un quart d'heure que je vous tiens. Alors, juste pour revenir à l'histoire de Noël. Alors, oui, vous aurez vu l'introduction, au fait, au passage, avant que je ne commence à vous parler. Les décos, c'est chez moi. Voilà. Comme ça, vous aurez vu vite fait. Bon, j'avais pas trop d'idées d'introduction, et puis ça, c'est toujours chiant de chercher un truc pendant 10 ans. Alors je voulais faire un petit peu quelque chose d'original. Alors je dis bah tiens, pourquoi pas? Voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça vite fait, hein. Comme ça vous vous poserez pas la question. C'est chez moi. Désolé. C'est pas évident. Je vous jure que là je le fais. J'ai pas cette habitude, mais je le fais vraiment parce qu'il faut le faire. Bon. Quelque part, j'avais quand même envie de vous le faire. C'est pas le problème. Hein. C'est pas que j'ai pas envie. Hein. Sinon, je le ferais. Franchement, si j'avais pas envie, je le ferais pas. Hein. Quoi? Il y a vraiment des jours où je me dis que si j'avais les moyens d'avoir un logement, ça serait cool. Parce que voilà le topo. Sans vouloir être très négatif. Il est 23 h. Voilà. Hein. Et en gros, j'ai été interrompu pour dire de pas gueuler. Est-ce que j'ai l'air de gueuler? Bon, à part quand j'ai fait ouais. Ah, je veux bien. Hein. Bon. Comment vous voulez après que je continue, que je puisse continuer à vous faire la vidéo dans la joie et la bonne humeur? Surtout quand je suis à moitié malade. C'est cool. En plus, du coup, comme ça a duré un moment que j'ai été obligé de sortir pour faire redescendre le chat qui ne voulait pas redescendre, que j'ai dû tout virer parce que le bonnet, vous le doutez, est par-dessus le casque. Oui, mon super bonnet Père Noël avec le petit pompon. Wouhou! Et
que j'ai mis un temps fou à réussir à le remettre à peu près bien, en sachant que, comme d'habitude, ce que j'ai sur l'écran n'est pas en miroir, donc quand vous regardez quand vous regardez face à un non-miroir, c'est très chiant. Bon, du coup, en fait, le truc, c'est que je ne sais plus ce que je disais. En fait, c'est ça le pépin. Oui, donc, vidéo de Noël. Alors, pour Noël, je me suis dit, je vais vous faire un cadeau. Et cette fois, attention, c'est vraiment du cadeau. Alors, pour ceux qui se souviennent, c'est relatif à un de mes let's play qui avait eu lieu au début de l'année dernière. Sur un jeu PC. Je n'en dis pas plus. Un jeu dans lequel il y avait un petit bonus que certains d'entre vous m'avaient demandé de faire. Je dirais que j'en avais parlé de faire une vidéo sur ça un jour. Si certains étaient intéressés. Alors du coup, je vais vous faire ce cadeau. Donc, bah, au lieu de pas trop savoir ce que je raconte, bah, je vais vous l'offrir maintenant. Joyeux Noël. Bon, donc on se retrouve pour ce cadeau que je voulais vous faire. Donc, on est dans Sonic 4 épisode 2 sur PC, dont j'avais fait le let's play donc début 2013, si mes souvenirs sont bons. Je fais peut-être une erreur, mais je pense pas. Donc, pourquoi est-ce que je suis dans Sonic 4 épisode 2? Vous allez voir. Alors, laissez-moi recharger le. Voilà, que j'ai même pas fini le jeu puisque les émeraudes du chaos j'en ai 5. Voilà, génial. Donc, alors, au petit passage, je vais quand même vous montrer vite fait que j'ai quand même été chopé tout. Ah non, il m'en manque un, pardon. Ah non, il m'en manque pas, pardon. Il m'en manque un. Non, non, il manque rien du tout. J'ai chopé tous les anneaux rouges du jeu déjà. C'est quand même pas mal. Alors, on a par exemple dans les montées de rue Sonic, j'ai quand même pété le score. Alors. Que je me gourre pas de touche pour le contre la montre, j'en ai pas fait partout, mais. Ah, peut-être que je m'occupe de ça, tiens, faire des contre la montre. Regardez. Non, c'est. Non, non! Vous ne deviez pas voir ça! Alors voilà, vous remarquerez que j'ai fait le niveau 1 en 59 secondes 45, donc j'ai le succès de faire le niveau 1 en moins d'une minute là. Et je vous assure que c'est pas si évident que ça. Oui. Donc, maintenant, quand même, pour vous montrer quand même pourquoi je suis là et quel cadeau je vais vous offrir, c'est. Si tu permets, voilà le cadeau, l'épisode métal. Eh oui, avec notre ami Metal Sonic. Donc je rappelle que l'épisode métal se débloque uniquement si on a aussi acheté Sonic 4 épisode 1 sur le même support. Je rappelle, c'est important. Et l'épisode métal, voilà. Alors l'épisode métal, vous allez vite voir ce que c'est entre nous. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a 4 niveaux. Je vais me remettre en mode point quand même. Donc bah écoutez, trêve de bavardage pour histoire que ça dure pas trop longtemps, on y va! Longtemps après. C'est parti! Donc, Metal Sonic a été réveillé par
Docteur Robotnik Eggman, selon le... Selon le pays. Bah, la manette vibre déjà. Alors vous allez vite reconnaître l'endroit. Ah ah ah, j'ai réussi. Ouais, cool. Alors, on est dans Mad Gear. Ouais, super. Alors, pour une fois qu'on contrôle un méchant quand même. Alors, on a toujours droit à l'attaque téléguidée. Alors, le bruit du saut est complètement bizarre. Ouais, c'est cool. Alors, vous aurez reconnu. Donc, nous sommes dans Mad Gear, donc ce qui est la dernière zone pour la petite histoire de Sonic 4 épisode 1. Alors, on contrôle Metal Sonic, donc comme je le disais. Alors, oui, on commence par Mad Gear parce qu'en fait, nous allons faire dans cet épisode Metal, nous allons faire en fait les 4 zones de. Merde! J'avais pas vu le truc. Les 4 zones de Sonic 4 épisode 1 à l'envers. Alors au passage, oui, les niveaux sont beaucoup plus difficiles. C'est Sonic en mode hardcore, hein. Hardcore au passage. Hein. Ah non, je voulais pas qu'il se passe ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas plus mal. Attention à l'étoile. Alors, je me sens pas. Pas mal parce que comme vous l'avez vu, putain, pourtant j'avais sauté pour éviter ce putain de crabe à la con. Par contre, évidemment le gameplay est en fait est en réalité exactement le même que Sonic. Alors aussi le moteur graphique est celui de Sonic 4 épisode 1. On n'a même pas droit à une petite refonte, hein, même pas. Hein. Oh putain, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai vu les pics, j'ai vu les pics. Ah. Ouais, bah écoutez, on va passer par là. Ah putain. Ah, bah, c'est un petit bouclier et des petits anneaux. J'apprécie. Ah, fais chier. Il y a toujours ce bug que le fait que la plateforme descend, ça annule votre... Wow. Putain. Mais c'est la mort ici. Ok, ça c'était beaucoup d'avance. Je suis mort. Ouais, cool l'animation que moi j'ai... Attention, je vais tomber. Ouais, en fait ça nous gêne juste un petit peu, je croyais. Mais putain, mais comment vous voulez éviter ces trucs? T'es sérieux, dites-moi là. Ok. On va se calmer parce que là je suis en train de jouer n'importe comment. Putain, si j'étais pas malade aussi, ça m'arrangerait. C'est vrai que ce serait bien aussi. Mais vous avez pas le temps là. Attends, j'ai eu le temps la première fois, mais pas le deuxième. Allez, ce passage. Et tu mourras pas cette fois. Et hop. Non, mais c'est que le premier niveau, quoi. Vous imaginez. Ouais, vous faites pas d'illusions, hein. Même si je vous ai dit qu'on fait des niveaux, la difficulté, elle va à l'envers. La difficulté, elle va pas à l'envers, elle. Voilà, nickel. En fait, il faut foncer direct, même pas chercher à comprendre. C'est plus facile pour moins mourir. Je sais pas si j'ai raison de passer par là. Oh non. Oh, ça va. C'est passé crème le The Passage. Hey, on l'avait pas oublié, hein, le The Passage de Sonic 4 épisode 1, on l'a pas oublié.
j'ai bien fait de me pousser à gauche. Voilà, maintenant je vais couper la technique. Hop, avant que tu t'envoies tes boomerangs, je sais pas quoi. J'ai obligé de tomber. C'est quoi ce piège à con? Allo Houston, on a un problème. Super. Ok, le manche à balai est en action. C'est-à-dire moi, hein. Je précise, hein. Faut que vous auriez des doutes, putain! En plus, vous êtes obligé de tomber pendant 10 ans pour que la mort se déclenche! Ok, j'ai un problème. D'accord, fallait se mettre sur celui tout à droite. Bien, je veux pas crever. Hein. Putain, j'ai eu le bon réflexe. Putain, mais là, vous avez pas le temps d'avoir un réflexe. Oh putain. Oh, je sais ce que c'est. Lol. Du speed dash pour passer. Allez, la fin, s'il vous plaît. Oui, ça a l'air. Là, c'est marrant. C'est que c'est. Y a Sonic sur le panneau et on le fait. On tourne le panneau en Metal Sonic. Allez, on a même l'affichage de fin de niveau de. Voilà, pour jouer l'acte suivant directement. L'affichage de fin de niveau à la Sonic 4 épisode 1. Quoi. Allez, c'est parti. Donc, cette fois-ci, on est dans le labyrinthe perdu. Hop. Mais attends, la pique était sur moi, j'ai pas été touché. Concentrons-nous. Ah bah si, ça touche quand même. Il y a dû avoir un bug au bout d'avant. Ah, les rochers. Ça fait un petit peu de plaisir de rejouer un peu à du Sonic. Merde, mais j'ai même pas regardé ce qui s'est passé. Mais vraiment con. Oh, je te jure, plus con tu meurs. Et là j'arrête pas de me faire toucher, mais de manière complètement stupide. Bah oui, mais je suis vraiment un imbécile. Oh, c'était sûr. C'était sûr que ça allait arriver. Je fais que perdre des vies depuis que je joue. Hein. J'en ai pas gagné une seule. Cette fois-ci, j'essaye de pas me louper. Vous avez vu le piège à con avec les trucs à pic? Alors, tu m'auras pas de fois. Putain! J'ai marre d'être malade comme ça, on dirait. Ah, le vieux passage que j'aime pas. Ah bah joli passage secret. J'ai bien fait d'aller regarder. J'ai quelques souvenirs, hein, des pièges que vous m'aviez tendus, les mecs. Wow, c'est chaud quand même.
la petite histoire, cet épisode métal, j'y ai joué qu'une seule fois. Hein. Et encore, vous avez de la chance parce que... Faut quand même que je vous explique parce que le fait que je vienne de réinstaller du PC et que je vienne de réinstaller le jeu, bah, même si j'ai récupéré la sauvegarde de mon ancien disque dur, et ben bah, ça a quand même provoqué la réapparition de la cinématique d'introduction. Donc autrement dit, si j'avais pas réinstallé mon PC, cette cinématique d'introduction, vous y auriez pas eu droit. Avec du bol. Un peu plus et je tombais quoi. Attention! Ça va vite! Bah mec, j'ai peur, on dirait que le rocher manque de dynamisme. Ah, une vie! Non, je trouve que le rocher manque de dynamisme comparé à d'habitude. En tout cas, je suis arrivé à la fin du niveau, c'est déjà ça qui est bien. Moi, j'ai fait une meilleure prestation pour cet acte. Allez, une petite vie en plus encore. Et c'est parti pour le casino! Alors oui, vous aurez aussi remarqué le fait qu'il n'y a qu'un seul niveau par environnement. Hein, donc, cette espèce d'épisode métal, c'est vraiment de l'arnaque en réalité quand vous regardez bien. Il y aura pas une vie là. Merde, je voulais pas tomber juste en bas. Ah, c'est pas évident de passer. Ah, je suis passé. Je dirais, cet épisode métal, ils ont pas fait la fronde le vendre séparément, il y aurait pu prendre ça. C'est dommage, j'aurais aimé qu'ils remettent le jeu avec les cartes, c'était rigolo. C'était rigolo comment gagner des vies à la pelle, quoi. Je me rappelle encore de ça. Ah, j'ai toujours détesté ce genre de passage. Ouais, parfait. Non. On va faire comme ça. Ah, fais chier ce bumper. Voilà. Comme ça que je voulais passer, moi. On va se repositionner là. Bon, ça va, j'arrive quand même à en gagner des vies. Bon, allez, viens à la plateforme. C'est bien gentil. Hop, je crois qu'il était là la suite. Il y a vraiment des moments. Bon, je suis passé. Bravo le bug. Le pire, c'est que je crois qu'il n'y a même pas de boss, quoi. C'est ça le pire dans l'histoire, quoi. Non, mais laisse-moi sortir. Oh. Mal calculé. Et on va accélérer. Ok. Ah d'accord, faut la gauche. Putain, mais les 10 points, c'est toujours du troll. D'accord, on en met partout maintenant ces flippers. Ah, je suis à la fin, je crois. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de zone bonus non plus, hein.
Ça serait cool de pouvoir améliorer un peu mes scores au passage. 22, 490, on essaiera de s'en souvenir. Pour voir si j'ai fait mieux ou pas. Et voilà, nous sommes au niveau 1, au Splashing Zone. Regardez-moi, en fait, ils ont surtout mis plus d'ennemis. Wow, ça déboulonne. J'ai essayé de monter là-haut un peu avant pour voir. D'accord, juste des anneaux, tu me parles. Ah, j'aurais dû utiliser là. Mais putain, je me fais toujours avoir comme un con par ces trucs. Caméléon. Oh, ça va redevenir mon. Ça va redevenir mon cauchemar. En fait, c'est le problème, c'est qu'il y a tellement de. Allez, le troll. Il y a tellement d'ennemis et tellement de trolls surtout. Vos réflexes, vous avez plus de réflexes quand vous jouez à ça. Il y a trop d'ennemis en fait. En fait, ils ont essayé d'augmenter artificiellement la difficulté des niveaux en rajoutant des ennemis, mais maintenant le problème c'est qu'il y en a trop. Putain. Oh. Jusqu'en invasibilité, c'est fini, putain. Putain, mais regardez-moi ce mec, caméléon planqué dans le ciel. Non mais, putain, je t'ai vu. Non mais, c'était inesquivable. Putain, je sais que j'ai l'habitude de beaucoup râler pour pas grand-chose, mais enfin quand même, quoi. Là, vous foutez de la gueule, des gens, là. Ouais, une vie... Mais regardez-moi ça, putain. Mais heureusement qu'il y avait l'écran. Heureusement qu'il y avait la petite télé de vie, hein, parce que sinon, putain... Sinon, je crois que j'étais mort en plus. Putain, j'ai plus d'anneaux. Mais regardez, il y en a partout. Hey, j'ai l'impression d'être harcelé, là. Ah, bah c'est la fin, voilà. Voilà, c'est la fin. Bon, ma prestation minable à cause de tous ces putains d'ennemis à la con. Voilà. Voilà, hélas, Metal Sonic a gagné. Oh merde, Sonic et Tails, ils s'en vont. Une fusée, poursuivons-le. Ouais. Voilà. Ah bah ouais, 22-490, j'ai bien amélioré le score sur l'acte 3. Allez, on prend notre super habitude. Ok, sauf que dans les meilleurs scores, il n'y a pas le classement pour... Donc ça sert à rien. Donc bah du coup, que dire de plus, bah qu'on a fini, hein. Ça allait vite, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est que finalement, on est revenu au même, à peu près au même nombre de points de vie, au même nombre de vie qu'au départ. J'ai vraiment du mal à parler. Bon, donc enfin bref, donc on va s'arrêter ici. Le cadeau est terminé. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour la suite et la fin de notre vidéo de Noël. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà. Que termine ce cadeau que je vous ai fait. J'espère que ça vous a plu, parce que je sais qu'il y avait eu de la demande, hein. Je m'en rappelle encore, hein. C'est vrai que j'avais pas trop parlé de ce qu'il y avait eu autour de cette demande. Donc sur Sonic, enfin sur l'épisode Metal qui faisait partie de Sonic 4 épisode 2. Voilà. Donc voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre du coup? Bah pas grand chose en fait, hein.
Et je suis toujours malade. Voilà. Donc, eh ben, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va arrêter ici, hein. C'est pas la peine d'éterniser pour rien. Donc, on se retrouve incessamment sous peu, j'espère, pour la suite des let's play en cours. Donc voilà, donc on va s'arrêter. Et en guise de fin de vidéo, comme d'habitude, une chanson de Noël. Sauf que bah j'ai plus d'idées. Enfin, dans Disney j'ai rien trouvé. Les Minicums, bah il n'y avait que la vidéo de Noël et c'est mort, quoi, il n'y a rien d'autre. Donc bah du coup, on passe au club Dorothée. Voilà, avec une chanson. Bah, en fait, je ne veux pas vous en dire plus. Je vais vous laisser les surprises de découvrir découvrir la chanson et surtout qui y aura dedans. C'est surtout ça qui est important. La seule chose que je vous dis, c'est que ça se passe au Club Dorothée. Donc, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je vous souhaite joyeux Noël et surtout une bonne année 2015 pour ceux qui, si on jamais on se revoit pas d'ici là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, je vous dis ciao et à la prochaine. Et surtout, passez de très bonnes fêtes avec vos amis, votre famille ou même si vous êtes seul chez vous. Joyeux Noël! Allez! À la prochaine, les enfants! Dites-moi, monsieur Bonhomme de Neige, vous savez où se trouve, vous, le Père Noël? Bien sûr! Dorothée, tu veux qu'on l'appelle ensemble? Bah, moi, je veux bien. C'est très simple, il suffit de chanter sa chanson. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit